7h18 sur Sud Radio, il n'y a pas d'heure pour une part de bûche de Noël. En plus, c'est le petit déjeuner, donc on accueille Sébastien Buveau, chef pâtissier à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, dans la maison de chocolaterie Alex. Bonjour Sébastien Buveau. Bonjour. Bonjour Sébastien Buveau, un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, d'autant que j'imagine que ce matin c'est encore assez chargé pour vous. Ah, c'est assez chargé, ouais. C'est encore l'effervescence, c'est un gros week-end pour nous, la période de Noël, bah, toutes les fêtes en général, et c'est vrai que ce matin c'est encore un gros matin, quoi. Et ça démarre plus tard parce que les gens ont réveillonné, mais c'est vrai que c'est encore un gros matin, quoi. La fête n'est pas finie. Oui, avec encore beaucoup de commandes, c'est ça? Oui, encore beaucoup de commandes et bah, beaucoup de préparations, on anticipe énormément. Mais ouais. C'est vrai qu'on travaille en produits frais exclusivement, donc tout est fait au dernier moment. Donc depuis ce matin, toute l'équipe est debout de bonheur et d'arrache-pied pour arriver à satisfaire tous nos clients. Vous êtes combien là? On est au laboratoire, on est 7 et en vente elles sont 7 aussi, ouais. Donc ça fait on est 14 au total, donc tout le monde est là, il n'y a pas de souci. Oui, parce que vous parlez de votre laboratoire parce que vous faites tout maison, quoi. Donc tout est fait maison, ouais. On fabrique tout, nos conserves de fruits pour toute l'année, tout le chocolat. On est un des rares chocolatiers français à faire de chocolat parce qu'on fait de la fève de cacao. Ouais. Donc c'est vrai que ça nous fait beaucoup de travail. Alors c'est beaucoup d'anticipation et d'organisation en amont pour arriver à ce que les fêtes se déroulent comme il faut. Et voilà, donc... La bûche de Noël, c'est toujours un peu la star, forcément. Ah, la bûche de Noël est la star, oui, ça évite. On est classique, on reste dans la forme d'une bûche classique. Et par contre, on a des goûts, voilà, on a le chocolat avec caramel beurre salé, on a la Valentin qui est la mousse groseille, mousse cassis. Et pour avoir une idée, c'est combien de bûches que vous faites là pendant les fêtes en nombre? Au total, ça fait 2500 bûches à peu près. 2500, ah oui. Et c'est laquelle votre préférée à vous? Ah, la mienne, alors j'en ai deux. Donc j'ai la caramel beurre salé chocolat. Ah oui, très bien ça. Et, voilà, il a la bûche marron groseille, qui est quand même avec l'acidité de la groseille, ça ramène la douceur du marron, ça contrebalance bien. Donc, Ah, c'est pas mal. Et celle qui a le plus de succès auprès de vos clients, c'est laquelle? Alors cette année, bah, c'était la chocolat Saint-Michel, donc la mousse chocolat et crème au caramel beurre salé. Ah oui, c'était celle-là. Ouais, et celle-là, il a une soufflée framboise, donc c'est une mousse vanille ou framboise, avec des framboises dedans. Et c'était les deux stars cette année. Donc chaque année, il y a une qui se décroche plus que les autres, mais c'est vrai que cette année, c'était les deux. Donc voilà. Et ça se prépare longtemps à l'avance, justement, pour savoir bah, quelle bûche on va préparer, qu'est-ce qu'on va mettre dedans cette année-là en particulier? Alors on s'arrange, on a une gamme de entre 8 et 10 bûches pendant les années, on a toujours des classiques qu'on garde chaque année et on fait un turn de 2 bûches, en fait on a 2 nouvelles bûches qu'on a introduites dans la gamme à chaque fois. Donc ça on commence à réfléchir dès je ne dirais pas dès maintenant, mais c'est vrai que là quand on tire des enseignements à chaud de ce qui a moins bien marché, on sait desquels on va enlever les prochaines et du coup après on a d'ici avant l'été on sait lesquels on va enclencher, on fait des essais et on sait lesquels on va enclencher de manière pour anticiper nous les commandes pour la préparation, ça faut rentrer toutes les matières premières. Et après, par contre, la préparation se déroule les 15 derniers jours du mois de décembre. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on raisonne un petit peu à chaud pour faire le bilan très rapidement, pour déjà envisager la suite, quoi. Bah, c'est ça, parce que c'est vrai que là, on a tout dans la tête. Et voilà, on prend des notes, et tant qu'on a tout dans la tête, après, on se pose. La semaine prochaine, on va se poser, on va débriefer tout de suite à chaud. Comme ça, on sait. Parce qu'on se dit, on va se rappeler, finalement, on ne se rappelle jamais de. Dans quelques mois, ça ne se rappellera pas. Donc, ouais. Sébastien, c'est quoi les étapes ou l'étape la plus compliquée quand on réalise une bûche de Noël? C'est le respect des règles d'hygiène, déjà, ça c'est primordial. Bah oui. Ouais. Et après, selon ce qu'on la matière utilisée, si on fait une mousse ou si on fait un crémeux, c'est le respect des températures, le mélange délicat. Il y a des choses qu'on peut travailler, mélanger très rapidement, d'autres qu'on peut mélanger plus délicatement, par étapes, bien respecter le process de production, de manière à pas avoir de loupé et puis avoir une bonne texture à la dégustation. Vous faites aussi des bûches glacées ou que des bûches pâtissières? Ah non, on fait des bûches glacées. On est pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, confiseur. Oh. Et votre boutique, elle est où exactement à Chalon-sur-Saône pour On est à côté de la mairie, on est place de l'hôtel de ville. On est à 50 mètres de la mairie. Il y a la mairie, il y a l'église Saint-Pierre, on est juste à côté. Et ouverture à quelle heure?
La ouverture à 8h30. Ah bah ouais, bah donc, oui, ça se rapproche un petit peu. Oui. Oh, c'est pas pour vous mettre la pression. Non, ça va. On est prêts, c'est tout bon. Ouais. Bah, Sébastien Buveau, en tout cas, un grand merci, chef pâtissier donc, à Chalon-sur-Saône, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite de très belles fêtes. Bon courage à vous. Merci bien, vous aussi. Bonne fête de fin d'année. Merci à vous. Et bonne année 2024. Oui. Bah, merci beaucoup.